Nous, ce matin, c'était une journée particulière puisqu'on était reçus par le président de la République directement à l'Élysée. Au-delà du temps de l'arrivée des 150 dans la cour de l'Élysée avec la presse, qui est quand même un truc assez exceptionnel, le rendez-vous dans les jardins avec le cadre vert, les arbres et tout, c'était assez impressionnant. Et les discours qu'on a entendus ont été à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir, à savoir que le président s'engage d'une certaine manière à garder 146 des 149 mesures qu'on avait proposées. On passe à une étape suivante avec la capacité maintenant de suivre avec lui nos mesures, puisqu'il a proposé qu'on crée des comités de suivi et qu'on se voit tous les mois, donc ce qui est plutôt motivant pour les gens qui ne veulent pas arrêter de toute façon. Tout le monde est ému, touché, emballé, hyper fier. Comparer ça un peu à une colonie de vacances qui se termine, mais c'est pas ça. C'est ça fois 1000, fois la Coupe du Monde de foot. Un peu. Il y a ce côté-là où, ouais, vraiment, moi je l'ai vécu un peu comme ça. Avec on arrive au bout, on ne nous attendait pas, et finalement il y a tout qui se met en place. Il y a même jusqu'au municipal hier où les planètes sont alignées pour qu'on soit dans le juste. Alors qu'encore une fois, cette semaine, on s'est quand même bien fait marcher dessus par la presse et notre histoire de 110 km/h. Ça nous a donné un éclairage. On le négocie avec le président différemment puisqu'il ne le retient pas. OK. Et on passe à autre chose puisqu'on en a 146 autres qui sont plutôt bien. La prise de conscience qu'on a fait de la politique et qu'on a peut-être créé quelque chose de nouveau avec la participation citoyenne, le renouveau possible du CESE, enfin en tout cas c'est ce qu'a annoncé aussi le président ce matin. Ça c'est une vraie aventure, mais c'est comme une série, il y a eu des films dans le film, il y a les aventures de chacun avec les autres, il y a son expérience personnelle, comment est-ce qu'il a avancé par rapport à ses convictions. Il y a des participations, moi j'étais au COGOUV, ça a été quelque chose de super intense d'être au cœur de la machine. Les mesures qu'on peut porter, les débats qu'on peut avoir dehors, on doit aller rencontrer plein de gens. J'ai lu un article hier, c'était l'impossible fin de la Convention citoyenne. Et c'est vrai que ça nous rassure, parce qu'en fait, moi, depuis peut-être la deuxième session, je me dis que j'ai envie de recommencer au début. Et là, on me dit recommencer, j'y vais tout de suite. Ouais.